Un jeune homme a été tué par balle, lundi 21 août, dans un quartier sensible d'Amiens, a appris ce mardi 22 août 2023 l'AFP de sources proches de l'enquête. La victime était connue des services de police et un règlement de compte sur fond de trafic de drogue n'est pas à exclure. La liste des morts par balle en France s'allonge cet été. Un jeune homme a été par arme à feu, lundi 21 août 2023, dans un quartier classé zone de sécurité prioritaire, ZSP, d'Amiens, a appris ce mardi 22 août l'agence France Presse, AFP, de sources proches de l'enquête, confirmant une information du courrier Picard. Les faits se sont déroulés vers 20h20, heure à laquelle la police a été avisée de coups de feu tirés sur la voie publique dans le quartier d'Amiens Nord, mais le corps n'a été découvert que mardi matin par un ouvrier venant travailler sur un chantier, a précisé cette source. L'autopsie est prévue mercredi, mais l'examen externe du corps a révélé au moins un impact de balle sur le flanc, a-t-elle poursuivi. La victime étant connue des services de police, entre autres pour des infractions liées au trafic de stupéfiants, un règlement de compte sur fond de trafic n'est pas à exclure.